Alors bonjour tout le monde et bienvenue à ChapQC.tv, bienvenue à la troisième émission de l'année, l'émission du mois de mars. Je me présente Serge Bernier, réalisateur et producteur de l'émission ChapQC.tv. Dans cette émission, ce mois-ci, nous recevons Denis Côté qui viendra nous faire son témoignage et comme à la coutume en musique, nous aurons Mathieu Turpin et Daniel Boudria ainsi que Nancy Simard qui viendront nous faire de la musique. Merci de nous suivre, merci de nous publier, merci de nous partager. Si vous voulez avoir plus de renseignements ou si vous voulez vous abonner à notre page Facebook, vous n'avez qu'à faire dans l'onglet de recherche de Facebook, tapez ChapQCTV et puis vous allez automatiquement tomber sur notre page Facebook et vous allez pouvoir vous abonner à notre page et nous suivre tout au long de l'année. Si vous voulez aussi nous suivre sur notre site web, vous n'avez qu'à taper dans le moteur de recherche Google chapqc.org et automatiquement vous allez tomber sur notre site web. Là, vous allez avoir les boutiques en ligne, vous allez avoir la place pour faire les dons et tout ça. Et si vous voulez aller directement dans la web télé du site web, vous n'avez qu'à taper sur Google chapqc.tv et là vous allez arriver sur l'onglet du site web télé web et là vous allez avoir tous les enregistrements que nous avons depuis le début. C'est important de nous partager, c'est important de nous suivre, c'est ça qui nous donne le plaisir de continuer dans cette aventure. Vos dons aussi sont appréciés énormément. Si vous faites un don à partir du site web, ne soyez pas inquiets, tous les dons sont sécurisés, il n'y a aucun problème. Alors, j'espère que cette émission va être intéressante pour vous et puis que vous allez la partager en grand nombre. Et je vous dis, gardez le sourire. Je m'appartiens plus, je t'ai donné ma vie, non ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre comme dans les cieux. Je m'appartiens plus, je t'ai donné ma vie, non ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre comme dans les cieux. Oui, je m'abandonne, vers toi je me tourne, monte-moi là. Laisse fixer sur toi, garde mon sentier pour l'éternité. Ta parole, Seigneur, source de bonheur, gravée dans mon cœur. Par ton esprit divin, par ton feu, je suis marqué. Ta parole, Seigneur, source de bonheur, gravée dans mon cœur. Par ton esprit divin, par ton feu, je suis marqué. Oui, je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie. Les yeux fixés sur toi, garde mon sentier pour l'éternité. Oui, je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie. Laisse fixer sur toi, garde mon sentier
Bonjour à vous tous. Mon nom est Denis Côté. Je suis directeur national pour les hommes d'affaires du plein évangile depuis maintenant 8 ans. Je suis aussi ingénieur de métier, gestionnaire de projet, et vous allez voir, j'ai eu beaucoup d'autres chapeaux dans ma vie, ce qui m'a amené dans différents contextes et différentes problématiques, et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer quel est mon arrière-plan. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est un témoignage de vie. Une vie qui a été transformée par la puissance de Jésus-Christ, parce que par moi-même, je m'en allais... comment je dirais ça? Je faisais plein de choses que je pensais super intelligentes, mais que finalement, j'avais juste des gens malheureux autour de moi, ma femme, mes enfants. Mais je vais juste vous expliquer le contexte dans lequel je viens. Comme beaucoup de Québécois, je viens d'un arrière-plan catholique. Je suis né, dites-le pas à personne, mais je suis né en 1959. Et vous pouvez comprendre que ma jeunesse, je l'ai vécue dans la Révolution tranquille. Et qui dit Révolution tranquille au Québec, on parle évidemment, et moi je suis le plus jeune de 4 enfants chez nous, et ça a été la contestation de tout ce qui était les valeurs traditionnelles. Et notre famille n'y a pas échappé. Et moi, je croyais que c'était l'affaire la plus intelligente en ville, de tout rejeter ça, et tout était basé maintenant sur nous-mêmes. Je ne comprenais pas qu'est-ce que ça impliquait, mais j'avais saisi une chose, j'embarquais dans ça. Parce que mon père, qui est un Beauceron de naissance, ma mère une Gaspésienne, et eux autres, à cause du milieu dans lequel ils venaient et dans lequel ils travaillaient très fort, c'est d'essayer d'établir un milieu dans lequel ils ne vivraient pas une pauvreté, mais on pouvait atteindre un certain confort. Et leur vision, c'est que leurs enfants puissent ensuite aller à l'université. Et de par ces diplômes qu'ils vont avoir, ils vont pouvoir avoir un métier qui va leur permettre d'acquérir une certaine richesse. Moi, ce que j'ai compris quand j'étais jeune, la vision de la vie, c'est de pas trop s'emmerder à cause de la pauvreté, mais excusez mon langage, des fois ça peut être cru, mais vous allez comprendre pourquoi c'est important, mais aussi c'est d'acquérir des richesses, et ça, c'était le symbole de la réussite de la vie. Et pourtant, c'était paradoxal parce que ce que je voyais de mon père, et mon père était un alcoolique de travail, mon père, autant je sais qu'il nous aimait, mais ce que je vivais, moi, comme le plus jeune chez nous, c'est un père absent parce que c'est un père qui travaillait énormément. Et toute ma vie, et vous allez voir, vous allez comprendre plus tard pourquoi, toute ma vie, je cherchais un père qui allait approuver, qui allait avoir une relation avec son garçon et qui allait le pousser dans une destinée, dans une vision de vie. Alors moi, je me disais que si j'acquiers la richesse, je vais avoir la reconnaissance de mon père. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai fait un cours en ingénierie parce que j'étais curieux, je voulais savoir comment les choses fonctionnaient. Je suis allé à l'université à Sherbrooke, fait mon bac en sciences appliquées pour devenir ingénieur. Et là, j'arrive dans les années 80, il n'y a pas d'ouvrage.
Je dis, OK, c'est pas grave, je vais faire une maîtrise, c'est comme avoir de l'ouvrage, je suis payé pour ça, tant mieux, c'est le fun. Mais vous savez quoi? Je suis encore sorti de là en 85, j'avais un beau diplôme, en fait deux diplômes maintenant, mais toujours pas d'ouvrage. Et j'ai réussi à me trouver à travailler avec un contracteur qui était très ambitieux et qui, vous allez vous en douter un petit peu sûrement, pour moi était devenu une figure paternelle. Et cette figure paternelle, c'est, il m'encourageait, il me poussait dans ce que je faisais. Écoute, c'était le fun. Sauf que, après un an et demi, j'avais pas reçu le dixième de ce qu'il devait me payer. Il me devait de l'argent. En tout cas, sans rentrer dans tout le détail, dans ma naïveté, mais dans ce désir de dire, parce qu'on devait faire des nouvelles business ensemble, tu sais, quand il regarde ton ambition, là, puis il fait juste la nourrir. Mais cette ambition-là, pour pouvoir, j'ai dit, hey, là, je pensais que je gagnais sur deux plans, mais j'ai été d'une naïveté. Pourquoi j'ai pris tant de temps à réagir en travaillant avec lui? Parce qu'il me nourrissait des espoirs, pas de désespoir, mais il nourrait des espoirs qui m'auraient permis d'aller plus loin comme homme. Hey, même si j'avais peut-être juste 24-25 ans à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'ils arrivent. Là, je suis en train de réfléchir, je dis, là, il faut que je fasse quelque chose. Il me doit de l'argent, mais si je m'en vais, il fait faillite. C'est pas parce que j'étais beau puis j'étais fin, mais c'est vraiment le contexte dans lequel on était à ce moment-là, parce que comme ingénieur, j'en ai une crédibilité à la compagnie. Mais vous savez, là, j'étais en réflexion. Pourquoi j'étais comme ça? Pourquoi? Je comprenais pas encore, je vous l'explique là, mais dans ce temps-là, je le comprenais pas. Et là, il y a un homme qui nous invite, c'est un homme qui est devenu un grand ami pour moi, André, il nous invite à un déjeuner témoignage des hommes d'affaires du plein évangile. Et là, il invite mon patron. Mon patron, il ne veut pas y aller tout seul. Il dit, Denis, tu vas m'accompagner. Et on arrive là, un samedi matin, au chapitre de Saint-Hilaire, pour ne le nommer. Et écoute, il y avait 150, 200 personnes excitées. Et moi, je suis là, j'attends dans le coin, j'espère que le patron va se pointer. Il ne se pointe pas. Et là, moi, je suis tout seul dans une gang. Écoute, j'avais jamais vécu ça, une gang de chrétiens exaltés qui louent les mains dans les airs. Je t'aime l'amour de Jésus. Je t'aime l'amour de Jésus, moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Mais je voyais chez eux quelque chose de sincère. Ils ne me regardaient pas à savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, mais ils te voyaient comme être humain et il y avait quelque chose dans cet amour-là qui était simple et qui, pour moi, je n'avais jamais connu puis je me demandais qu'est-ce que c'était. Alors, j'écoute ce témoignage-là et cet homme-là qui était un ingénieur et sans rentrer dans le détail de son témoignage, j'ai dit, il faut que je lui parle à cet homme-là, il y a quelque chose de spécial dans sa vie. Et je décide de lâcher l'entrepreneur à qui j'étais, tout perdu ce qu'il y avait là, et je demande au gars, je peux-tu travailler avec toi? Et un mois plus tard, je commence à travailler avec lui. Mais lui, dans sa pensée, c'est une pensée où il dit, Dieu n'est pas juste là pour ta vie le dimanche matin, tu vas à l'église, il y a quelque chose où Dieu est présent tous les jours de ta vie. Et lui, le milieu d'entreprise, ne fait pas exception. Alors, il me parle, on commence à travailler, je pense qu'il ne m'a pas expliqué comment marchait le bureau, il m'a expliqué qu'est-ce que c'est marcher dans son bureau en suivant le Seigneur. Parce que j'avais quand même posé la question, comment il faisait ça? Et là, il me met au défi. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer un bureau d'ingénieur, dans ce temps-là, dans les buts milieu 80, c'est des murs de catalogue. Aujourd'hui, tout est électronique, mais pensez-y, là, il y a 40 ans, là, c'était des murs de catalogue. Et quand je dis des murs, là, ça prend tout votre salon, votre salle à dîner, du plafond, du plancher jusqu'au plafond. Et là, il me dit, tu sais, Denis, si tu veux être un bon ingénieur, tu spécifies des équipements, parce que lui, est ingénieur, il faisait du design en mécanique et électricité, pour son bureau, il dit, il faut que tu connaisses qu'est-ce que le fabricant spécifie? Il faut que tu connaisses comment la machine marche. Si tu veux spécifier le bon équipement et si tu veux que l'installation soit fonctionnelle. Il dit, c'est la même chose dans ta vie. Regarde, il dit, moi, je crois qu'on a été créé par Dieu. Il nous a donné un livre pour nous expliquer comment tout ça marche. Et là, il me montre une Bible. Et là, il me dit, t'as-tu lu la Bible? Moi, en toute innocence et en toute naïveté, mais j'étais sincère avec lui,
Je n'avais jamais ouvert une Bible. Oui, on avait un enseignement religieux quand on était jeune. On avait appris quelques passages dans le Nouveau Testament. Mais qui était Jésus, à part d'avoir récité dans Notre Père, mais ça ne me disait pas qui était Jésus, ni comprendre qu'est-ce que ça voulait dire d'être chrétien, ni comprendre le plan de Dieu. Il dit, Denis, il faut que tu lises la Bible. Si tu veux savoir qui tu es, si tu veux savoir c'est quoi le plan de Dieu pour ta vie. On ne me donne pas un défi comme ça. Et comme j'avais me posais des questions, j'ai dit, je vais relever le défi. Mais vous savez, la Bible, ce n'est pas un petit livre. En fait, c'est 66 livres, la Bible. Et je l'ai lu d'un couvert à l'autre. Et ça n'a pas pris une soirée, ça a pris un an et demi. Mais ma pensée, c'était de... Ça, là, cette patente-là, parce que pour moi, c'est une patente, la Bible, il dit, je vais confirmer pourquoi je ne crois pas en Dieu, puis il y a quelque chose d'autre. Ça, c'était, vous savez, c'est l'arrogance des personnes, en tout cas, moi, j'étais comme ça, là. C'est l'arrogance qui pense qu'ils savent tout, mais qu'en réalité, ils ne savent rien. J'étais vraiment ça. Si j'ai appris une chose à l'université, c'est que je suis sorti de l'université et je ne savais rien. On sait bien des choses, mais pour être fonctionnel dans le milieu, on a bien des croûtes à manger. Et vous savez, avec Dieu, c'est la même chose. Il faut faire attention de juger Dieu en pensant le connaître, mais juste sur les histoires ou les contes qu'on nous a contés et les mensonges, mais vous dire, est où la vérité? Et on doit laisser Dieu, lui, s'exprimer. Ça, pour moi, c'était tout un nouveau langage. Et là, voyez là, il ne m'a pas laissé tout seul à lire la Bible. Là. Tous les matins, ça pouvait prendre une heure, deux heures, trois heures. J'avais ma liste de questions parce que le soir d'avant, j'avais lu un certain nombre de versets, un certain nombre de chapitres, de livres, peu importe, parce qu'il y a des livres qui sont plus longs à lire que d'autres et plus compliqués aussi. Et j'avais toujours une série de questions. Et ma série de questions, je peux vous dire qu'il était tanné de me répondre. Il ne l'a jamais montré. Sauf qu'il m'a dit à un moment donné, après un an et demi, il dit, Seigneur, il faut que tu lui répondes à lui parce que moi, mes réponses, ils ne me convainquent pas. Puis, il avait raison. Mes réponses, ses réponses ne me convainquaient pas. Tout ce que je voyais, c'est qu'il y avait une réponse. Mais quand ta pensée, c'est de détruire quelque chose, ça ne me satisfaisait pas, mais je n'étais pas capable de mettre tous les morceaux du puzzle ensemble. Mais après un an et demi, il y avait deux versets qui m'avaient vraiment fatigué. Il dit, un, c'est dans Hébreux 13, 8. Il dit, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Dans ma pensée, je pouvais concevoir que Jésus existait. Je pouvais concevoir que Jésus était venu parce que les Juifs le reconnaissent, les musulmans le reconnaissent. La difficulté, c'est est-ce qu'il est ressuscité? Ça, là... C'était un autre pas que, j'avais bien de la misère à avoir. Mais à un moment donné, l'autre verset qui me dit, si tu veux rentrer dans le plan de Dieu, tu dois reconnaître son plan. Ce n'est pas ta justice, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas personne de juste, pas un seul dans Romains 3. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 3. Et ça, c'est pourquoi il dit ça, c'est, OK, donc je savais que j'avais une décision. Soit que, sans tout comprendre, je rejetais tout le livre, sans avoir plus d'arguments pour le rejeter, mais sans dire que je ne comprenais rien, ou je disais, OK, Seigneur, t'es vrai? En fait, t'es vrai. Si t'es vrai, parce que j'étais encore, je rationalisais tout ça, là. Si t'es vrai, Seigneur, montre-moi qui t'es. Puis non seulement, montre-moi si tu as quelque chose pour moi. Et là, il est venu cette conviction que je devais faire la prière qu'on appelle la prière de repentance, qui est simplement de dire de reconnaître le plan de Dieu, de reconnaître que Jésus est mort sur la croix et ressuscité. C'était trop simple pour être vrai. OK, je l'ai fait. Je l'ai fait, Seigneur, mais je l'ai fait avec ma tête, sans trop comprendre, mais révèle-toi à moi. Et ça a pris un mois, un déjeuner suivant, où il y a eu cette invitation-là, et j'ai fait là, à ce moment-là, sincèrement, c'est comme s'il y avait quelque chose qui a mené cette conviction que j'étais sur le bon chemin. Et quand j'ai eu cette conviction-là, il y a une paix et une joie qui sont venues dans ma vie qui est difficile à expliquer si on ne la vit pas. Mais je peux vous dire que c'était super. Là, tu as donné ta vie au Seigneur.
Là, j'ai dit, moi, dans le même temps, je sors avec une jolie dame du lac Saint-Jean, on reste ensemble. Et cette dame espérait rencontrer un homme qui va aimer Dieu. Elle dit, c'est qui ce gars-là qui a... Puis là, elle me voit cheminer. Là, parce qu'avant, je reniais Dieu. En fait, je traitais les gens qui aimaient Dieu de toutes sortes de noms. Et là, j'étais celui qui, maintenant, essayait de comprendre qui était Dieu. Et là, j'ai relu la Bible pour essayer, non plus de la comprendre, mais essayer de savoir qu'est-ce que Dieu avait pour moi. Et ce n'est pas juste pour moi, mais c'est pour chacun de nous qui s'approchons de Dieu. Et ça, c'est spécial. Et là, vous savez, il nous prend tel qu'on est. Je ne suis pas devenu le beau Denis, le gentil Denis du jour au lendemain. Je suis venu avec mes blessures. Vous savez, je vous ai parlé d'un père manquant. Et vous savez, je dis, je n'ai aucun jugement vis-à-vis de mon père. J'aime mon père, je sais qu'il nous aimait. C'est son milieu, c'est sa manière de faire. Et je respecte énormément. Comprenez bien ça. Mais je veux juste vous exprimer qu'est-ce que l'impact que ça a eu dans ma vie. Ça fait de quoi? C'est que même malgré ça, j'ai cherché un père. Et vous voyez, je veux pas vous garder trop longtemps sur le suspense, mais pendant 20 ans, j'ai essayé de performer pour Dieu, que ce soit à travers les hommes d'affaires, que ce soit à travers l'Église, en essayant de comprendre la Bible pour dire comment je peux être plus performant. Parce que vous savez, c'était mon milieu de vie, je suis devenu professionnel, on nous apprend à être performant et performer. Je dis, hey, ça a servi à quelque chose tout ça. Mais là, je constatais juste une chose. Quelques années après que j'ai donné mes vœux au Seigneur, comme je vous expliquais, je me suis marié avec mon épouse. On a eu des enfants. Et là, on est rendu 20 ans plus tard. Et je me rends compte d'une chose. Le gars rationnel est encore super rationnel. Et pourtant, quand j'ai donné mes vœux au Seigneur, je lui ai demandé une chose. Il dit, il faut que tu m'apprennes c'est quoi l'amour, parce que chez nous, on fait juste rationaliser toute chose et on a de la difficulté à être en relation sincère avec les gens. Et je savais que dans ma vie, c'était un problème. Et ce que je voyais, c'était l'impact sur ma femme et mes enfants. Et là, j'ai été pendant deux ans. J'ai chialé après Dieu. J'ai dit, je t'ai fait une demande, puis là, tu ne scores pas bien fort. Là, puis je peux vous dire que des amis me regardaient aller et j'étais agressif dans ma pensée, j'étais agressif dans mon commentaire. Mais Dieu, c'était pas le fait qu'il soit agressif. Tant que je regardais à lui, puis comme il y a un ami qui m'a dit, tant que tu regardais Dieu, tu es correct, il va te pogner dans le détour. Et il m'a pogné dans le détour. Regardez bien. Là, j'ai dit, Seigneur, si c'est ça, la vie chrétienne, puis je rends mes enfants malheureux, ma femme malheureuse, malgré que j'ai fait cette promesse devant Dieu, devant les hommes, d'honorer ma femme, de tout faire pour elle, il dit, je suis mieux de m'en aller parce que je suis j'étais le plus incompétent des pères et des mères. Et aussitôt que j'ai dit cette phrase, je ne sais pas si ça se dit à la caméra, là, mais le Saint-Esprit m'a mis une petite claque sur la gueule. Là, que vous, je pense que j'étais rouge. J'étais rouge d'un côté. Il m'a allumé. Là. Il m'a allumé et dit, ça là, tu te débarrasses de cette phrase-là. Et je savais que j'ai dit, je t'ai demandé, j'ai dit, pardon Seigneur. Pardon Seigneur. J'ai dit, je me délie de cette phrase-là. Je ne veux pas quitter ma femme. Ma pensée, c'est que Seigneur, je te faisais plus confiance. Et maintenant, Seigneur, il faut que tu me montres quoi faire parce que c'est pas normal ce que je vis là, c'est pas normal ce que notre famille vit là. Et là, on était pendant 6 mois, ma femme et moi, on a pris un temps, vraiment un temps ensemble. Et là, il n'y a pas de gêne à le dire. On a un couple d'amis, des thérapeutes chrétiens qui nous ont suivis. Et là, on a appris, écoutez, après 20 ans, on a appris vraiment, on est deux professionnels, là. Ma femme est psychologue, moi je suis ingénieur, on est deux professionnels qui sont habitués à performer, habitués à faire leurs affaires. Mais là, on doit prendre le temps de maintenant de trouver notre chemin ensemble. C'est pas parce qu'on s'est mariés qu'on sait c'est quoi notre chemin ensemble. Et là, on a appris vraiment, en fait, on va parler pour moi, là. J'ai appris à écouter ma femme. C'est parce que, juste donner un exemple, à chaque fois que je voulais intervenir parce que ma femme disait quelque chose que je n'aimais pas, et que le thérapeute dit « Tais-toi, Denis! » Et là, c'est là que j'ai appris, j'ai compris que je n'écoutais pas ma femme.
Et là, le Seigneur a fait quelque chose absolument qui m'a marqué au fer rouge dans mon cœur, mais de manière positive. Et là, comme un père, il me dit, écoutez, je sais que Dieu nous parle, il nous parle de différentes manières, mais c'est la première fois que je le vivais comme ça, c'était audible. Il était mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Hey, c'est capoté, parce que ça, c'est la phrase qu'il a dit à Jésus à deux moments dans son ministère. Il dit, qui suis moi? Qui suis pour que Dieu me parle demain? Parce que je savais que c'était Dieu. Je le savais. Et instantanément, ce désir de performer, ce désir d'avoir à convaincre mon père que j'étais son fils, lui venait de me le dire. Je n'avais plus à le prouver, maintenant je savais que je l'étais. Donc, ma vision maintenant de ma relation avec Dieu, avec le Père, avec le Fils, Saint-Esprit, était complètement transformée. Maintenant, je savais que je n'avais plus à chercher quoi faire, mais je n'ai à chercher qu'à être enfant de Dieu. Et en étant enfant de Dieu, je vais comprendre qu'est-ce que c'est. Alors ça influence. Je vous ai parlé que le traumatisme, ça a été plus dans ma vie personnelle, mais vous savez, ça affecte notre travail, ça affecte notre manière de relation. Moi, je vous ai dit que j'étais ingénieur consultant, mais en l'an 2000, j'ai fait un burn-out parce que j'avais trois chapeaux comme travail. J'étais gestionnaire, j'étais consultant et je travaillais pour un autre bureau d'ingénieur. Et ce n'est pas une bonne idée de travailler 70-80 heures semaine et d'en avoir par-dessus les oreilles parce qu'en plus, qu'est-ce que je faisais dans l'église, qu'est-ce que je faisais pour le ministère. Mais on est jeune, on est fou, on pense qu'on peut tout passer ça et on est correct. Là, je passe ça, je ralentis mes activités et là, je prends un temps pour connaître qui je suis. Et là, je dis merci Seigneur. Et là, il me fait, il y a juste le Seigneur pour en dire, maintenant, c'est quoi ma vie? Parce que marcher avec Dieu, c'est avoir il y a un plan de vie, il y a une vision, il y a une mission pour chacun de nous. C'est pas juste pour l'élite, dans notre culture qui vient avec un arrière-plan catholique, on pense que c'est juste les prêtres, les dirigeants, les hauts placés qui ont un appel. Mais la Bible est très claire. Tout enfant de Dieu a un appel. Parce que l'appel à étendre le royaume, c'est partout dans notre milieu de royaume. Et vous savez, étendre le royaume, c'est pas quelque chose de religieux. Parce que ce qu'on vous parle, je veux pas vous parler d'entrée de religion, je vous parle d'une relation avec Dieu. Parce que c'est ça qui a changé mon cœur. Et c'est ça qui change aussi ma vision aussi, qui est mon travail. Parce que maintenant que je sers un Dieu créateur, je sais qu'il y a quelque chose de puissant que Dieu veut me transmettre. Et vous savez, les problèmes ne sont plus des problèmes, ils deviennent des occasions où Dieu peut révéler qui il est et peut révéler des solutions qui sont plus grandes que nous autres. Et actuellement, depuis maintenant 9 ans, en fait, je commence ma 9e année, que je suis directeur des hommes d'affaires pour l'Évangile, juste ça, c'est une folie, parce que j'ai dit, Seigneur, qui suis moi là-dedans pour être directeur? Mais vous savez, la question, c'est pas de savoir si on a les compétences. Si Seigneur m'avait envoyé directeur avant que je passe cette transformation-là, cette révélation dans ma vie, j'aurais été le plus pourri des directeurs. Mais maintenant, je le sais que je pouvais être directeur parce que j'avais l'humilité de reconnaître que j'avais besoin de lui. Et vous savez, quand tu marches à ce niveau-là, ce n'est plus toi qui es glorifié, c'est Dieu qui est glorifié. J'aimerais vous donner plein d'exemples des temps où on a reçu des guérisons, on a prié pour des gens, il y a eu des guérisons, et c'est jamais comment on pense. Mais l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 19, il dit, Jésus il dit que je ne peux rien faire de moi-même, je fais tout ce que je vois le Père faire. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Et ça, vous savez, ça s'applique dans votre vie, dans votre famille, dans vos relations avec vos gens. Quand vous voulez le matin, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ensemble? Vous n'êtes plus seul, vous êtes accompagné. Et en plus, vous avez les frères et sœurs autour de vous, pour vous exhorter, vous encourager. Et vous êtes aussi un vaisseau de transmission de l'amour de Dieu. Et là, je vis ça. Et là, Seigneur, me mettre dans cette démarche-là que j'ai eu à faire avec mon épouse. Vous savez, mon épouse avait eu quelque chose. Tu ne t'es pas rejeté sans que ça cause une blessure dans sa vie. Et elle avait une décision. Elle aurait pu très bien dire, « Hey, toi, là, tu m'as déjà rejeté. Une fois, je ne prendrai pas une deuxième fois. » Mais elle a décidé de me pardonner. Et vous savez, ça, c'est une grâce, le pardon. Ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Et le Seigneur m'a fait écrire un livre sur le pardon. Écoute, c'était plus ma femme qui aurait dû écrire le livre. Mais vous savez, on l'a fait ensemble. C'est quelque chose de conjoint. Il y a quelque chose de puissant dans le pardon parce que s'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas avoir de pardon. En fait, il peut avoir du pardon, mais le pardon ne sera pas aussi sincère que si tu marches dans l'amour de Dieu. Alors, vous savez, moi, ce que je veux juste vous exprimer aujourd'hui,
C'est pas parce que je suis directeur que je suis plus fin que vous. Je veux juste vous dire que chacun de nous a un appel dans nos vies. Que ce soit dans votre milieu de travail, que ce soit dans vos familles. Il y a des gens que vous portez à cœur, que vous aimeriez voir transformés. Pas parce que, je veux dire, on a tous besoin de Dieu, mais parce que vous sentez que c'est un trésor caché dans vos vies, qui ne doit plus être caché, que vous devez révéler pour que les gens puissent saisir ce trésor. Et moi, je vous dis qu'il y a deux étapes. La première étape, c'est si tu ne connais pas Dieu, personnellement, demande-lui de se révéler à toi. Vous savez, j'ai cité la parole de confesser le Seigneur Jésus, de reconnaître son plan, ressuscité. Il est mort et il est ressuscité. Si tu, dans ton cœur, tu le crois, la parole dit que tu es sauvé. Et quand tu es sauvé, tu es maintenant enfant de Dieu. Mais la suite, c'est que comme enfant de Dieu, Jésus nous dit qu'il nous envoie son Saint-Esprit nous expliquer toutes choses. Et mes amis, j'aime autant avoir le Saint-Esprit qui m'explique toutes choses qu'essayer de moi tout comprendre. Et, mais vous savez, c'est quelque chose qu'on fait de manière communautaire. Il y a des gens qui sont là, fait longtemps qu'ils sont dans la parole, qui nous l'expliquent. Ils la présentent d'une certaine manière, mais on a toujours besoin de Dieu pour nous l'expliquer. Parce que chacun de nous, personnellement, par notre passé, par ce qu'on a vécu, on a besoin d'une touche de Dieu. Parce que Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et je sais, et c'est votre promesse pour vous, recevez Jésus. Et cette liberté, elle est pour vous. Et non seulement il dit libre, il dit vous serez réellement libre. Merci de m'avoir écouté. Père fidèle, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Père fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais tu es là, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Oui, mon âme se réjouit. Mon âme se réjouit. Mon âme se réjouit, car je sais que tu es là. Tu es là, Saint-Esprit, je sais que tu es.